tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo tag spéciale Halloween. Il s'agit d'un tag qui a été inventé par Marie du compte Muffin and Books et qui s'appelle Halloween is coming to town. Donc vous voyez la vibe que ça va avoir. La première question, c'est un livre avec de la magie qui est peu ou pas connu. Et là j'ai un petit peu triché parce que c'est un livre qui vient de sortir et qui donc est connu dans le Bookstagram, Booktube anglophone, mais pas autant du côté francophone pour le moment, j'espère qu'il va être traduit. Il s'agit de Babel de R.F. Kuang et c'est ma lecture en cours et je me régale tellement de lire ce livre. Je l'ai choisi aussi parce que c'est un livre où la magie fait partie du fonctionnement normal de l'univers, mais c'est pas un aspect prédominant dans le livre non plus, bien que ça ait son importance. On est à Oxford au 19e siècle dans le département de linguistique de l'université et on va suivre 4 étudiants qui sont assez particuliers. Puisqu'il y a Robin qui est à moitié chinois, il y a Rami qui est indien, il y a Victoire qui est noire, et il y a Letty qui est une femme, ce qui est déjà une particularité pour être à Oxford. Et donc je trouve que ce livre est super intéressant parce qu'il nous plonge vraiment dans tous les enjeux du colonialisme et de l'impact que l'Angleterre en particulier a eu sur d'autres pays du monde et comment ils pouvaient traiter les gens de ces autres pays, comment ils pouvaient les utiliser. C'est fait par le biais aussi du système magique qu'il y a dans le livre. Il y a plein de discussions très très intéressantes sur la linguistique, sur les traductions parce que c'est la base du système de magie et c'est extrêmement fascinant, super bien écrit. J'espère vraiment qu'il sera traduit parce que franchement il est génial ce livre là. La deuxième question, c'est Bouh. Une lecture qui fait peur. J'en lis pas beaucoup, donc ça n'a pas été facile de trouver parce que j'aime pas trop ça me faire peur. Mais j'ai pensé à Frissons au Mont Hemlock, le deuxième tome de la saga Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden, où on suit, comment ça s'appelle, Holly, Brian et Coco, 3 enfants qui ont vraiment pas de chance parce qu'à chaque fois qu'ils vont faire une visite avec leur école ou en vacances, il se passe des choses paranormales qui font plutôt peur. Donc dans le premier livre, on avait des épouvantails. Et ça faisait un petit peu peur, mais ça allait. Mais alors le deuxième, Frissons au Mont Hemlock, on est avec des fantômes dans un vieil... Je pense que c'était un orphelinat ou quelque chose comme ça qui était réorganisé et réarrangé en hôtel. Où ils sont piégés dans une tempête de neige, il n'y a plus d'électricité. Et ils risquent de mourir de froid. Et avec ces histoires de fantômes et d'enfants qui étaient maltraités là avant, franchement... C'était hyper spooky et effrayant. Si vous connaissez pas cette petite série et que comme moi, vous voulez vous faire peur mais pas trop, c'est vraiment nickel pour lire et j'ai hâte de lire le troisième tome, j'espère qu'il va bientôt sortir en français. La troisième question, c'est Halloween, un livre qui se passe au moins en partie en Halloween. Et je sais pas si c'est autorisé mais j'ai pris un livre qui était dans ma palle donc que je n'ai pas encore lu mais que je compte lire pour Halloween cette année. Il s'agit de Three Kisses One Midnight. C'est des histoires d'amour et de sorcières et puis ça se passe dans une petite ville à l'époque d'Halloween. Je pense qu'il y a une malédiction à défaire pour réussir à trouver l'amour, quelque chose comme ça. Donc ça avait l'air d'avoir la vibe parfaite et c'est ça, ça se passe on All Hallows Eve. Donc ça va super bien pour cette question-là et je croise les doigts pour m'en tenir à ce que j'ai prévu et le lire le 31 octobre, c'est-à-dire après-demain. On continue avec la traditionnelle ronde dans le quartier à la recherche de bonbons. Donc là c'était plus pour un livre qui vous remplit d'énergie, qui vous fait du bien. J'ai un petit peu galéré parce que j'en avais parlé je pense dans une vidéo précédente. J'ai pas l'impression de lire tant de livres que ça qui me donnent ces émotions là étrangement. Mais j'ai fini par me souvenir des Jenny Colgan que... Je trouve encore un côté très comforting et chaleureux pour l'âme, donc c'est un petit côté nourrissant, on va dire. Celui-là que j'ai pris, c'est Une saison au bord de l'eau, c'est ma série préférée d'elle que j'ai lue pour le moment, où on va suivre une jeune femme qui va retourner dans son île natale de Muir, qui est une île imaginaire au nord de l'Écosse, donc vous imaginez un petit peu le climat qu'il fait. Et elle est dans un tout petit village où il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, donc on est très... Vie dans la nature, cuisine locale, relations avec les voisins, les amis, un petit peu de romance bien sûr. Et je me régale vraiment de les lire à la fois pour les personnages, pour leur histoire, mais surtout, surtout pour le décor que je trouve hyper chaleureux paradoxalement parce qu'il fait froid sur l'île de Muir. Mais je pense cet esprit de communauté, de joie simple qui me parle dans ces livres-là. La catégorie d'après, c'est Un déguisement parfait, un livre avec des métamorphes.
J'ai pensé à plusieurs, mais j'ai eu envie de vous parler d'une saga que j'ai lue il y a quelques années et que j'ai adorée parce que j'ai enfin retrouvé tous les tomes d'occasion et que je vais donc pouvoir la relire. Et il s'agit de Soulless, qui était traduit par Sans âme en français, donc le premier tome du Protectorat de l'Ombrelle. On est dans une Angleterre victorienne où les vampires, les loups-garous, je pense qu'il y a aussi des fantômes, et j'oublie peut-être autre chose, vivent parmi la bonne société londonienne. Ils sont complètement intégrés à la société. D'ailleurs, certaines personnes ont commencé à se mettre à vivre au rythme des vampires, donc on est vraiment, genre, ils font partie du quotidien. Et Alexia Tarabotti est une personne qui n'a pas d'âme, et qui donc ne pourra jamais être transformée en loup-garou, vampire ou autre créature surnaturelle. Mais elle va avoir une petite romance bien malgré elle au cours d'une enquête qu'elle va mener avec Lord Macon, qui est l'alpha des loups-garous. Et j'avais trop aimé. Beaucoup trop. Enfin, j'appelle ça une romance, mais c'est pas que ça. Il y a vraiment plein d'autres aspects, mais j'aimais trop leur histoire à tous les deux en particulier, et le personnage d'Alexia. Donc j'ai hyper hâte de les lire. Et c'est une série qui mérite vraiment beaucoup, beaucoup plus d'attention portée sur elle, parce que c'est vraiment top à tous les niveaux. J'ai tellement ri en les lisant et j'adore ce décor de la société londonienne, ça aussi je vous l'ai déjà dit, au 19e siècle. J'aime beaucoup lire les livres qui s'y passent et top top top. Une de mes héroïnes préférées, je pense, de tous les livres que j'ai lus. Donc si ça vous convainc pas d'essayer, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. On passe maintenant à Sorcière et Chat Noir, un livre avec des sorcières, sorciers. Et pour cette catégorie, j'ai choisi un livre dont je vous ai déjà parlé cette année, que ce soit dans ma pile à lire du challenge ou dans mon vlog spécial sorcière. Il s'agit de The Very Secret Society of Irregular Witches. Parce que de tous les livres de sorcières que j'ai lus cette année, je pense que lui, c'est mon préféré. J'ai adoré le côté cocooning, j'avais hésité à le mettre dans l'autre catégorie sur les bonbons, justement, celui-là, parce que j'ai trouvé qu'il était hyper réconfortant, hyper doux. Le niveau d'anglais est pas trop élevé si jamais vous voulez l'essayer. Et c'était un peu comme La Maison au milieu de la mer céruléenne, mais version sorcière. Donc avec une jeune femme qui a passé sa vie plutôt isolée et toute seule à faire la magie de son côté pour préserver le secret et protéger toutes les sorcières d'Angleterre, qui va se retrouver à aller dans un manoir pour apprendre la magie à trois jeunes sorcières. Et qui va découvrir une autre façon de vivre, qui va s'attacher à toutes les personnes qui y vivent, et même développer une petite romance. Donc super chou, vraiment parfait, un autre livre que je vous recommande vraiment beaucoup, beaucoup de lire. On va maintenant descendre en enfer pour la prochaine question. Va des rétro, Satanas, un livre avec des démons. J'ai cherché un bon moment pour en trouver un. Après, j'avais plusieurs options qui me sont venues en tête. Mais j'ai fini par en choisir un dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'y peux rien, il est tellement bien. Il fallait que je saisisse l'occasion de vous en parler encore une fois, parce qu'il n'y a vraiment pas assez de monde qui lit cette saga. Et il s'agit du Fléau des Rois. Vous reconnaîtrez les couvertures extrêmement minimalistes, je vous ai déjà montré en grand désespoir. C'est une saga fantasy qui est un peu à la croisée de Game of Thrones et du Nom du Vent. Et les démons ont une place extrêmement importante dans l'histoire. Au fur et à mesure des tomes, on en apprend de plus en plus sur eux. C'est vraiment le genre de démons que vous pouvez imaginer qui sont prêts à faire toutes les tortures à l'humanité. Donc j'espère que la saga va bien se finir quand même, parce que on est mal parti pour le moment. Mais elle vaut vraiment la peine d'être découverte. C'est tellement bien écrit, l'univers est hyper développé et c'est un plaisir à chaque fois de me plonger dans ces livres. Faut juste que je prenne le temps de continuer. Ce serait toujours mon problème avec les sagas fantasy. Avant-dernière question, Trick or Treat. Un livre avec un ou des personnages drôles et farceurs. Encore une fois, ça a été un petit peu difficile. Et puis je me suis souvenue d'un des livres que j'avais lu récemment, qui était The Final Gambit. Et c'est le troisième tome de la trilogie The Inheritance Game. Et dans cette trilogie, donc pareil, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, mais Avery, qui est une jeune fille qui a vraiment pas eu de chance dans la vie et qui n'est pas très riche, va se retrouver pour une raison inconnue à hériter d'un milliardaire, d'un des hommes les plus riches de la Terre. Et ce milliardaire a 4 petits-fils qui vont se nouer d'amitié ou plus avec Avery, après le choc de voir que c'est elle qui a hérité de toute la fortune. Il y en a un en particulier qui me fait beaucoup rire, et c'est Xander Hawthorne, qui a, je pense qu'il a comme 15-16 ans, quelque chose comme ça, en tout cas au début, et il a beaucoup d'humour. Il invente tout le temps des jeux
complètement loufoques, qui mélangent plein de choses et qui sont plutôt dangereux. Et à chaque fois qu'il apparaît, qu'il a des répliques, il me fait rire ce personnage, en même temps tout en parvenant à être extrêmement touchant, et je l'aime beaucoup. C'est le genre de personnage qui utilise beaucoup l'humour mais qui au fond de lui a aussi pas mal de souffrance et de tristesse, et j'aime toujours voir ce mélange là dans les livres, et je pense que c'est ce que Marie disait aussi, qu'elle aimait beaucoup ce genre de personnage, et je suis vraiment d'accord avec ça. Petit Xander, j'espère que tu trouveras le bonheur. Dernière question maintenant, sortez vos bestiaires. Un roman avec des créatures surnaturelles, et j'ai choisi un autre livre que j'ai adoré lire au printemps et que j'ai vu passer mais pas trop, donc je me suis dit que j'allais y faire un petit peu plus de pub. Il s'agit de L'Empire d'écume, le premier tome d'une trilogie, je pense, j'espère, fantasy. Je suis en train de lire la suite en ce moment, j'en suis à peu près au milieu, et c'est super génial. L'univers est hyper riche, on en découvre de plus en plus à chaque page, à chaque tome, on suit plusieurs points de vue, trois personnes qui sont disséminées dans un empire qui est composé de plusieurs îles, et la fille de l'empereur, qui est un de nos points de vue, apprend la magie des ouf. Donc en fait elle peut animer des sortes de chimères qui sont créées à partir de cadavres, avec des os, en gravant certains symboles sur ces os. Et elle veut prendre la place de son père, lui montrer qu'elle est sa digne héritière. Mais il se passe des choses vraiment pas nettes au palais et aux quatre coins de l'empire, comme les autres points de vue vont nous le montrer. Et en fait, après quelques chapitres, on va commencer à voir apparaître des créatures qui ont l'air vraiment trop choues. En tout cas quand elles sont petites, parce qu'après elles grandissent vite. Qui me font penser un petit peu aux dragons physiquement, dans les mythologies plutôt chinoises. Donc ce type de dragon là. Et je me suis dit que ce serait pas mal pour cette catégorie parce que c'est pas des créatures que j'ai forcément l'habitude de rencontrer, celles qu'on voit dans ce livre-là, donc je me suis dit que c'était un peu original de vous parler de ça et de vous suggérer très fortement de le découvrir. Et alors là, on a un petit souci parce que j'ai fait toutes les questions et je me rends compte qu'il me reste un livre que j'avais donc prévu pour cette vidéo et j'étais comme qu'est-ce qu'il fait là? J'ai revérifié mes notes et en fait la première question sur la magie, j'avais changé d'avis, je voulais pas vous parler de Babel parce que je me suis dit ah oh, quand même c'est un livre qui est plutôt connu, et j'en avais pris un autre, donc c'est pas grave, je vais vous en parler quand même, vous aurez eu deux livres pour cette question là. Il s'agit de The 10,000 Doors of January, les 10,000 portes de January ou janvier, je suis pas sûre de comment il a été traduit. Donc ça c'est un livre de fantasy pareil qui se passe dans notre monde, même si on est je sais plus quand, mais ça se passe il y a plusieurs dizaines d'années. Et la magie dans ce livre-là consiste en des portes assez mystérieuses qui relient les univers entre eux. Et January, l'héroïne, va en découvrir une un petit peu par hasard à un moment et se lancer à la recherche de ses parents biologiques parce qu'elle avait été adoptée par un homme pas toujours très sympathique. Et en fait, ça me rappelle un petit peu la vibe de Babel où on a une personne qui n'est pas blanche et qui va se retrouver à être un peu vue comme super exotique et exhibée devant des personnes blanches et riches qui se pensent supérieures à tout le monde. Donc on a un petit peu cette vibe là dans le livre là aussi, sauf que January va rapidement décider de partir à l'aventure et de, comme je vous disais, passer à travers ses portes, découvrir d'autres mondes. Bien sûr c'est pas toujours facile. En parallèle de ça, on va suivre aussi le point de vue d'un autre personnage, mais je veux pas trop vous en révéler, mais j'ai adoré la façon dont l'histoire a été racontée, j'ai même versé ma petite larme, et je pense que c'était un de mes livres préférés de 2021. Il est sorti en français comme je vous disais, mais j'ai pas vu beaucoup de gens le lire, donc je me suis dit qu'au final c'était lui qui correspondait le mieux à cette catégorie de livres peu connus avec de la magie, et je trouvais ça dommage de finir la vidéo sans vous en parler, juste parce que j'ai oublié que c'est lui que j'avais choisi. Donc voilà, lisez-le, il est incroyable. Et je vais conclure le tag là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Merci Marie d'avoir créé ce petit tag. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le faites vous aussi, qu'est-ce que ça aurait été vos réponses, ou si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés. Et puis on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo.